Bonjour tout le monde. Donc on va voir la suite de notre exercice 3. Donc on va voir maintenant la part 3. Je vous ai demandé d'essayer de calculer le champ E vous-même. On a dit que E c'est intégrale le long du fil de DE. Donc DE c'est ça. Donc E est égal. Donc d'abord les bornes qu'il faut choisir. Donc voilà, j'ai mon schéma, il est là. Je vais redessiner ça devant vous. Voilà, j'ai mon cercle. Ce qui est chargé, c'est une partie de ce cercle qui est un arc. Voilà. Et voilà. Et puis, je dessine le gentil monsieur Pac-Man. Monsieur Pac-Man. Non, 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 c'est pas Pac-Man. Bon. Donc, ce qui est chargé, c'est ça. Ça a une ouverture θ. Moi, je veux intégrer sur cet arc. Ça, c'est l'origine O. Je sais que ça, c'est θ sur 2. Ça, c'est. Disons, moins θ sur 2. Donc, ça, c'est θ sur 2. Ça, c'est moins θ sur 2. C'est très simple. Je sais pour que le cercle trigonométrique, ça, c'est pi sur 2. Et ça, c'est moins pi sur 2. C'est tout simplement, ça c'est θ sur 2, ça c'est moins θ sur 2. C'est-à-dire qu'il faut intégrer de moins θ sur 2 jusqu'à θ sur 2 dE en O. Donc E, c'est intégrale de moins θ sur 2 jusqu'à θ sur 2, moins lambda d alpha sur 4 pi epsilon 0 r suivant euro. Donc la question que je vais vous poser, quelles sont les constantes que j'ai? Qu'est-ce que je vais faire sortir? Lambda, il est dit que la densité est uniforme, donc je peux sortir lambda, 4 pi epsilon 0 c'est une constante, r c'est le rayon du cercle, c'est une constante. Je peux faire sortir ça, donc ça va donner moins lambda sur 4 pi epsilon 0 r. Et pour euro, eh bien la majorité vont faire ça. Attention, ce qui est faux, c'est le fait de sortir ce euro. Euro n'est pas fixe. Vous voyez, si je veux intégrer, c'est-à-dire que je prends c'est-à-dire que je fais la somme de ces petits éléments. Et à chaque fois que je fais la somme de ces petits éléments, le point M se fixe. Quand le point M est là, le euro est là. Quand le point M est là, l'euro est là. L'euro est là. 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 Donc il bouge. Solution, il faut l'exprimer dans la base fixe. Il faut l'exprimer dans la base fixe. Euro, il est là. Base fixe, c'est EX, EY. J'ai un angle alpha qui est comme ça. Ça, c'est euro. Ça c'est E alpha. Ça c'est l'angle alpha. Ça c'est E Y. Ça c'est E X. Je vais placer E Y là. E X là. Vous voyez que cet angle là, c'est le même là. Et c'est le même là. Je veux écrire E en fonction de x et y. Il faut faire la projection. Qui dit projection dit produit scalaire. Bon, je vais faire la projection. Quand je vais faire la projection, quand je vais projeter euro sur x, il voit devant lui alpha. S'il voit devant lui alpha directement, alors ça va donner cosinus alpha suivant x. Je vais faire la projection sur y. Il ne voit pas devant lui
Alpha. Il ne voit pas devant lui alpha. Donc, ça va donner un sinus plus sinus alpha suivant y. Alpha, il est de ce côté. Si alpha est de ce côté et je fais la projection là, alors c'est un sinus. Si alpha est de ce côté et je fais la projection là, alors c'est un cos. Imaginez par exemple que le EY, il était là. Le EY, il était là. Alors si je vais faire la projection, je projette comme ça et j'ajoute un signe moins. Parce que EY, elle est comme ça, ρ, elle est comme ça. Il est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ρ. Donc, le DE, donc le E, qu'est-ce que ça devient? Le E en haut. Donc, bien sûr, c'est en haut. Devient intégrale de moins θ2 jusqu'à θ2. Moins lambda d alpha sur 4 pi epsilon 0 r cosinus alpha suivant ex plus sinus alpha suivant ey. Eh bien, vous voyez que ρ dépend de alpha, tout simplement, alpha. Donc là, on est bien à l'aise, on voit bien ce qui est constant. Donc, constante, 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 je peux les faire sortir de mon intégrale. Moins lambda sur 4 pi, epsilon 0 r, intégrale de moins θ2 jusqu'à θ2, cos alpha et x, plus sinus alpha. Y. Voilà. Est égal moins lambda sur 4 pi epsilon 0 r primitive pour cos sinus alpha ex, bon, ex elle est fixe. Primitive pour plus sin, c'est moins cos. De moins θ2, θ sur 2 jusqu'à θ sur 2 est égal moins lambda sur 4 pi epsilon 0 r sinus θ sur 2 suivant ex moins cosinus θ sur 2 suivant ey moins sinus moins θ sur 2 suivant x plus cosinus moins θ sur 2 suivant y. Ça va donner moins lambda sur 4 pi epsilon 0 r sinus. Bon, sinus moins θ sur 2, c'est moins sinus θ sur 2 avec ce plus. C'est plus sinus θ sur 2. Donc, sinus θ sur 2x plus sinus θ sur 2, c'est 2 sinus θ sur 2, ex. Moins cos θ sur 2, y, moins, donc cos moins pi sur 2, moins θ sur 2, ey, c'est cosinus moins θ sur 2, c'est cosinus θ sur 2, avec ce moins cosinus θ sur 2, ça va disparaître. Il ne va rester que ça. Simplifié par 2, ça va rester moins lambda sur 2 pi. Epsilon 0 r sinus θ sur 2 suivant ex. Et voilà le travail. Ça, c'est le champ en haut. Donc, on a fait la deuxième question. Après, dans la troisième question, il est demandé de calculer le module de ce champ. C'est ce qu'on va voir dans la part. Au revoir.